Salut les enfants! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça dans ma petite voiture. Donc là, aujourd'hui, nous allons rejoindre ma mère, mes deux sœurs, mon frère, ma belle-sœur. C'est tout? Et nous? Et on va aller préparer les cadeaux de Noël. C'est la meilleure journée de l'année, cette petite journée. Donc on va aller préparer les cadeaux de Noël. Après à midi, on va se faire un petit repas. Ça m'énerve les gens qui mettent pas le clignotant. Hein. Voilà, je me suis mis au mauvais endroit. Voilà, si c'est celle qui conduit, vous pouvez le voir. Et du coup, voilà. Donc je vais essayer de filmer un petit peu tout ça, un petit peu quand même, non. Donc là, on va aller déjeuner au McDo. Parce qu'on se fait des petits déjeuners au McDo de temps en temps. Oui. Hein, Shahin, là, c'est la première fois pour toi. Hein? Shahin, il commence à 10h, donc lui, il a le temps. Là. Il est 9h, on a le temps de déjeuner, de le ramener à l'école. T'as là des récréations jusqu'à quelle heure? 10h. Ah, bon, mais c'est jusqu'à 10h alors, faut partir un peu avant. Bon, allez, à de suite. Tu déjeunes pas? Non. T'as pas fait? Non. T'es sûr? Bon, mais on s'en va parce que le McDo. Non, mais attendez. La blague de la journée. Attendez, dit Sandel. Maman. La blague de la journée, s'il vous plaît. Le McDo là, le McDo. Le McDo qui ouvre à l'école ou pas? 10h. Non mais est-ce que vous avez déjà vu un McDo qui ouvrait à 10h? Moi jamais de la vie, c'est la première fois de ma vie, il a fallu que ça tombe chez nous. Parce qu'il y a un autre McDo dans notre ville qui ouvre à 7h30 et en fait de l'autre côté ça ouvre à 10h. Non mais j'hallucine quoi. Du coup on est venu déjeuner ici pour rien. Donc là, du coup je ramène Shahin à l'école. Hein, puisque le temps que Shahin déjeune ça sera trop tard. Donc du coup le pauvre il n'aura pas déjeuné à l'école. Au McDo avec nous. Mais de toute façon tu voulais déjeuner au McDo toi? Pas ailleurs. Mais de toute façon à midi je t'achète un McDo. Tu veux? Il est dégoûté là. Il est dégoûté nous aussi. Bon, ben je le ramène à l'école et puis on va déjeuner du coup. Toi tu tournes à droite. Tu es sûr que tu es à l'école, hein? T'es sûr que tu es à l'école? Tu veux pas venir? Oui, je vais pas venir alors que j'ai école dans pas longtemps. Bon, Shahin va à l'école. Tu veux pas que je t'achète une chocolatine là ou un croissant? Non. De toute façon, t'as que 2 heures d'école. Mais tu vas rester là tout le temps là? Va te faire foutre. Qui? Pas de clignot. Moi j'en ai marre d'attendre après les gens qui mettent pas de clignotant. Hein. Shahin, tu vas attendre tout ce temps dehors? Oui. Tu t'en fous? Bon, je vous laisse, je vais régler mes comptes. Ouais, parce que là, ils s'en foutent d'eux. Ouais. Non, ils s'en foutent pas? Si, si. Et on raconte notre vie. Tu sais que les gens, ils aiment quand on raconte notre vie? Oui, mais bon, ils vont pas savoir pendant. Ils vont pas regarder 5 minutes de vidéo parce que Shahin, il sait pas s'il va à l'école ou pas. Oui, mais en tout cas, ils aiment bien quand je raconte ma vie. Ça, je le sais, parce que quand je raconte pas ma vie, ça les intéresse il pas. Il faudrait peut-être que t'appelles Jennifer, non? Ils vont le faire, non? Ils ont... Non, ils ont dit que c'était toi qui le faisais. Ils ont 4 téléphones dans la voiture. Quel culot! Bon allez, je vais appeler ma soeur parce qu'il n'y en a pas une qui va le faire. Hein. Ah, vous jure, c'est la famille des Tuches ici. Hein. Mais dis donc, elle n'était pas longue celle-ci. Bon, du coup, nous avons déposé Chachouna à l'école et on repart. Voilà. On repart, on va faire que ça aujourd'hui des allers-retours. Parce que l'école, elle était pas loin. Il est déjà 9h30 et à midi, je dois aller le rechercher, lui ramener à manger. Parce que j'ai pas le temps de lui faire à manger. Lui ramener à manger et puis revenir manger. Je vais en faire des allers-retours. J'espère qu'on n'est pas en rupture de gasoil et tout ça, parce que soi-disant il y a des ruptures partout et j'ai rien mis. Et en plus demain on va à Toulouse. Ouais. Mais toi aussi, tu sais que t'entends ça, mais tu mets pas du gasoil. Je vais en mettre après. Normalement t'en mets un peu, tu vois. Je vais en mettre après, je vais voir à Leclerc ou au champ, si c'est ouvert je vais en mettre. Donc voilà, et on a retrouvé ma soeur sur la route, on lui a klaxonné. Tu vois là je vais à droite, donc je mets mon clignot à droite. Ouais, attendez, Tiziane m'apprend à conduire. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas trouvé ton fils sur TikTok. Elle va être contente, Shahin. Pourquoi elle a pas trouvé? Elle a du mal à écrire le nom. Ouais. Bon, voilà. Donc, Chachouna n'a pas voulu déjeuner. Il est content. Il a trouvé un copain à lui. Parce qu'on croyait qu'il allait tout seul. Mais ça va, il y avait un copain à lui. Allez, on se retrouve à la boulangerie, du coup. Tu passes là? Peu importe, mais non. C'est... Ouais, si, c'était là. J'allais oublier de lui dire. Non mais regardez. Ah non, ils y sont plus, mince. Je voulais vous faire une blague. Ils ont attendu Jennifer et nous de la grosse. Ouais, ils ont attendu Jennifer. Hein, et une fois que Jennifer elle est arrivée, ils sont rentrés. Mets-toi à côté de mamie là-bas, à côté de la mini. La mini, c'est pas mamie ça. Si, ça c'est mamie. Tu veux me mettre dans une petite place, alors regarde là-bas. Mets-toi à côté. Ah ben Jennifer elle est là, klaxonne-y. Wow. Regardez, elle s'est fait les cheveux rouges. Allez, on y go. Oui, t'es très très mal garé, regardez. Regardez-moi ça.
Vas-y, bah, avance. Oh. Allez. Commence. Je commence. Ça va? Qu'est-ce que je voulais dire? On est poisseux aujourd'hui. On est poisseux. Le McDo était fermé. Il n'y a pas de chocolat. On a mal commencé la journée. Les deux autres là-bas, ils sont au bout. Ouais, moi, j'ai pris qu'un pain au lait. Si, Jennifer, Tissène, elle te ramène un café. Donc voilà. On est poisseux. Donc on espère que la journée va mieux se passer quand même. Ouais. Parce que merci, quoi. T'as pris quoi, un café au lait, toi? Je montre mes cheveux à soi. Là, ouais, à moi bon, je vais montrer les cheveux à Swad. Ouais, c'est beau comme ça, c'est trop beau. Du coup, on se retrouve à Action et à la place d'acheter les jouets de Noël, regardez ce qu'on s'achète, s'il vous plaît, que des trucs de téléphone. Hein, à la place d'acheter des cadeaux de Noël, on achète que des trucs pour le téléphone. Hein, regardez, des cadres, on achète tout sauf pour Noël. C'est ça, Action. Action, t'achètes des cafés, alors t'achètes. Donc, ouais, ils sont où les autres? Kéma, il est parti en repérage. On va avancer. Bon, on va avancer parce que sinon on va perdre du temps. La journée elle va vite passer. Ah oui, c'est ça, c'est tout qui rejette, non? Ah oui, non, toi c'est des billes de polystyrène. C'est de la fausse neige, c'est ce que j'ai mis moi. Ça ne monterait pas ça, non? Et ça, je pense que ça t'en mettrait partout, ça fait un peu poussière, regarde. Ah ouais, non, vaut mieux pas. La neige en plus, parce que ma mère, elle a acheté un sapin avec la neige qui vole. Et t'en as plus déjà? Les boules dedans? Si, mais elle voulait en racheter. On va où, tout droit là? Je pense que tu peux les trouver quelque part, ça. Y'a rien à acheter là? Non, y'a rien à acheter. Bon, allez, on continue. Jennifer, quand je vous dis qu'on achète que des conneries, regardez. Tu l'as pas déjà acheté ça? Non, c'est pour Jennifer. Ah, c'est pour moi. Et après j'en ai pris un autre, je sais pas qui c'est. Tiens, prends-le. Crapeux. Je sais pas qui c'est qu'un bain. Ouais, il est bien. On achète que des conneries, tout sauf pour le Noël. Hein. Voilà. On va mettre une crème ou pas avec? Ouais, tu peux étaler ta crème avec, te faire des petits massages. J'ai réparé qu'elle me passe. Ouais, voilà. Bon, on a quand même acheté quelque chose pour Noël. Les paquets cadeaux. Les rouleaux de papier. Ah, des piles, putain, oui, oui. On a acheté quand même les trucs de Noël. Alors on a le papier cadeau, mais on n'a pas encore les cadeaux. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est les miens qu'il y a dessus. Ah, c'est une brosse. Ah non, je crois que tu regardais dans mon caddie. C'est pour la pêche, ça, non? C'est pour ça que je suis en train de sortir. Ah non. De quoi? Ah. Ou après le reste, tu les amènes à l'école. Franchement, t'as des beaux enfants. Ouais, moi aussi, je trouve que t'as des beaux enfants quand même. Bon, mais nous, on est dans la voiture là, on attend pour partir manger. Shane, il se cache. Et là, on va aller manger. Bah, lui, il est moche. Ouais, voilà. Il est déjà 1h de l'après-midi, donc du coup, vu qu'on n'a pas le temps, on a décidé d'aller manger au Buffalo. Bon, on va aller manger au Buffalo. Hein. Merde, les droits d'auteur. Ouais, les droits d'auteur! Un piste pour elle, quoi! Il y en a Kamura, quoi! Et t'as vu, franchement, t'as vu, il y en a Kamura, comment ça s'est passé au téléphone? Écoute-moi, tu vas la laisser tranquille parce que je vais pas rigoler avec toi. Il y a demandé de faire un petit message pour ceux du téléthon. Ouais. Et en fait, elle a parlé que pour elle, elle a dit merci beaucoup de me suivre. Oh, là. Il a regardé, il a dit: et pour le téléthon, vous avez pas un petit message? Et en fait, elle savait pas quoi dire, elle a eu un blanc. Elle savait pas ce qu'il fallait dire. Pas vu, je regarderai. Ah, quand je vous dis, franchement. Bah, vous allez arrêter de la critiquer, hein. Moi, je la critique si je veux, d'accord? Ouais, écoute-moi bien, toi, tu vas descendre tout de suite et tu vas marcher à pied. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bon, je vais téléphoner parce que là, ça fait un peu 5 minutes qu'on attend quand même. Vas-y, raccroche, je vais te dire un truc, un secret. Ah, c'est un secret. Vas-y, c'est bon. Non, j'ai vu que t'as pas coupé, tu t'entends. Non, mais regardez-moi ça quand même. Attendez. Est-ce qu'on est dans le thème ou pas? Oh là là, la tête de chien, on ne traîne pas. Qu'est-ce qu'on est belle quand même? On a un peu de ballon, non? Maman. Ah ouais, d'accord. Non, je vais attendre qu'il mette un peu. Après, ma caméra m'a lâché. Merde. Non, j'ai pas eu peur. Bon appétit, hein. Bon appétit. Bon appétit, toi. Merci. C'est bon? C'est ok. Non, mais là, du coup, on est allé au rendez-vous parents-prof et elle nous a enfermés dehors. Mais regardez comment elle fait la maline.
Elle nous a enfermé dehors. De toute façon, t'es obligé de sortir parce qu'on est obligé de rentrer par là. Je te le jure, tu sais, si on se fait écraser, je te tue une fois que je me serai relevée de mon écrasage. Je vais la tuer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop vlogué hein, aujourd'hui. Donc du coup, ben là, on est rentré à la maison. Après la réunion, on est rentré à la maison. J'ai pas trop vlogué parce qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose. Ah oui, c'est là le bouton parce que c'est vrai que j'ai plus de place dans ma carte mémoire. On n'a pas fait grand-chose du tout. On n'a pas fait grand-chose et j'ai pas vlogué parce qu'en fait, on n'a fait qu'un magasin. On a tout trouvé dans le même magasin. T'as trouvé le drap ou je rêve? Oui, t'as trouvé le drap. Quoi? Je sais pas. Il est à quelle heure? Non, il a mis à quelle heure. Donc du coup, on a fait qu'un magasin et on a juste acheté les jouets, donc j'ai pas vlogué. Mais par contre, il faut que je vous parle d'un truc. Pour une fois que je vais parler mal d'un magasin, je vais vous montrer, c'est une abomination. Je vais vous montrer c'est ce qu'on a acheté. C'est le pire truc du monde qu'on a acheté. Ouais. Regardez, ce papier cadeau chez Action. Il est plein de paillettes, il est super beau. Regardez le scotch. On a essayé de faire comme on a pu. Impossible de faire tenir le scotch. Donc du coup, j'ai essayé de tenir le papier cadeau avec ça, avec le bolduc. On a mis du scotch quand même. Regardez. Impossible. Alors, il est fourni avec ça. C'est de la c'est merde. Pareil. En fait, il est tellement pailleté que c'est impossible de faire tenir le paquet. Voilà. Donc, Tissane, je ne sais pas comment elle va faire. Ah, mais là, c'est mort. Hein. C'est les trois cadeaux que je fais. Après, je ne me sers plus de ça. Hein. Ouais. Et en fait, du coup, on voulait mettre ça au pied du sapin pour que ça fasse joli. On voulait mettre tout assorti. Ben, franchement, si vous avez la solution, dites-moi parce que c'est une abomination. Il est beau. Hein. Merde. Je disais, il est beau. Ça, pour être beau, il est beau. Mais alors, franchement, on est plus en train de se prendre la tête qu'autre chose. 1,29€ le rouleau. Je me suis pour dit, vas-y. Que ce soit déchiré, que ça soit vu pour par nous quatre. Quoi. Ouais, mais je me suis dit, vas-y, tant pis, 1,29€, ça va être beau au pied du sapin en attendant Noël. Mais franchement, 1,29€ dans le cul, quoi. Hein. Oui. Je vous le dis. Hein. Donc voilà, n'achetez pas ce papier en cadeau plus, chez je sais Action. Pas faire de papier à moins que vous avez la solution. Oh non, mais alors, tu sais pas du tout faire le papier cadeau. Mais alors, pas du tout. C'est quoi ça? Je sais pas comment on fait un papier cadeau. Ah, tu te démerdes, tu mets le bolduc. Le bolduc, là, tu te démerdes. Mais je peux pas. Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que c'est ah ça? Ah non, mais là, t'as abusé. Mais t'as pas le faire. Tiens, vas-y. Mais t'as tiens. Abusé. Madame, je sais pas. Attendez, je vais... Non, mais regardez. Papier cadeau Tissane, quoi. Ce rêve. Bon, mais du coup, on a terminé cette journée. J'ai pas trop vlogué parce que on a fait qu'un seul magasin. Et vu qu'on a fait qu'un seul magasin, on a juste acheté les jouets de Noël et tout ça. Du coup, je vous ai pas montré quand on s'est dit au revoir, etc. Voilà, quoi. Je vais pas filmer tous les détails non plus. Et voilà, donc là, je vais passer à la... Shane, il m'interrompt tout le temps. Donc là, je vais passer déjà au montage de vidéo parce que sinon, la vidéo sera pas prête pour le jour J. Et puis voilà, mais vous inquiétez pas. Putain, là, il va falloir que je fasse mes racines parce que je suis... quand j'ai les cheveux attachés, on dirait que je suis brune. C'est trop vilain. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans. Donc là, il serait temps que je fasse mes racines. Non, parce qu'ils ont poussé vraiment très très vite. Hein. Il va falloir que je commence les compléments alimentaires que j'ai reçus. J'ai reçu des compléments alimentaires, donc je vous en parlerai si ça fonctionne vraiment. On m'en a beaucoup parlé. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais vous montrer une perruque aussi que j'ai reçue. J'ai essayé de la customiser. Je vais d'abord vous la montrer avant de terminer ce vlog. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je filmerai pour Noël. Donc pour Noël, je filmerai la soirée de Noël, logiquement. Logiquement, je filmerai la soirée de Noël. Hein. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais logiquement, je filmerai la soirée de Noël. Parce que je sais que vous adorez cette soirée-là. Et comme on est nature peinture, vous adorez encore plus. Je vais vous montrer la perruque que j'ai reçue. C'est vraiment une perruque de super bonne qualité. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec, parce que j'ai fait vraiment des conneries avec. Mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Elle est vraiment géniale. Par contre, la qualité, elle est vraiment bien. Vraiment bien, je vous montre. Voilà, je vous montre la perruque que j'ai reçue du site Oliver Weeks, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom. Et elle est vraiment géniale, géniale, géniale. Voilà, elle est vraiment hyper naturelle. Alors en fait, le truc qui s'est passé, j'ai refait les racines parce qu'en fait, j'ai voulu blanchir les nœuds. J'ai voulu blanchir les nœuds, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la déco. J'ai voulu blanchir les nœuds, vous savez, pour que ça fasse un peu plus naturel. Regardez, elle est totalement en dentelle. Elle est super belle, la qualité du cheveu. Je l'ai décolorée trois fois.
Je l'ai recoloré aux racines et la qualité, elle est toujours aussi top. C'est vraiment du cheveu naturel. Donc, du coup, j'ai refait les racines parce qu'en fait, quand j'ai voulu blanchir les nœuds, les racines ont roussi. C'est-à-dire qu'elles sont devenues toutes rousses. Donc là, il va falloir que je customise la raie. Voilà, il va falloir que j'épile en fait la perruque. Que je l'épile pour que ça fasse vraiment plus naturel. Et franchement, elle est vraiment top. Je vais vous mettre une photo de comment elle est portée. Trop belle. Cheveux naturels, elle est en dentelle. En fait, elle est en dentelle vraiment toute la perruque. Et en fait. Mais la qualité, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez la qualité, là, on voit vraiment. Là, c'est mon doigt derrière l'implantation du cheveu. Franchement, génial. Je vous mets le lien de où est-ce que je l'ai acheté. Vous pouvez regarder, il y a plein de perruques. Et moi, je voulais vraiment la perruque avec le cheveu naturel. Je vous ferai peut-être une vidéo quand elle sera finie de customiser parce que j'ai acheté justement la GoToBe de Schwarzkopf. C'est les lacs qui collent les perruques en fait pendant une journée ou plus sur la tête pour pas qu'elle bouge et pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo en vous la montrer portée. Et puis voilà, donc je vous montre ça, je vous mets le lien en barre d'infos et puis voilà, donc on se quitte ici et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment je colle ma perruque et comment j'ai terminé de la customiser parce que bon je vais pas vous montrer la customisation parce que sinon ça va durer 3 plombes et puis voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette petite vidéo là ou pas, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas hein. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.